chérie Coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle pas beaucoup. On fait pas beaucoup de lumière. J'ai entendu de sport, hein. Après ça, je vais courir. J'ai dit, elle refait. Drill 1. La prédication, c'est pour les soldats aujourd'hui. Si tu n'es pas prêt, tu recules. C'est préférable, papa Lamourza. Calme. DJ, musique. Aïe, aïe. Mes amours, l'onction, je vais déposer là. C'est pour les grands. Moi, je vais vous dire une chose très simple aujourd'hui. Et puis, one shot, hein, elle refait. Il y a longtemps, j'ai voulu être gentille. Mais il est temps de montrer au peuple qui je suis. Très peu de make-up, tenue de sport. Je dépose la prédication, je vais courir. Mes chéris Coco, la prédication aujourd'hui est pour les soldats. Je m'adresse aux personnes qui sont parties au front. Et quand elles sont revenues, on les a jugées de ne plus être les mêmes. Je parle aux personnes qui prennent de la cocaïne. Oui, tous les païens, les mauvais, criminels, oh, les qui... Venez, je n'ai plus rien à perdre. Criminels, les tontines qui donnent leurs fesses, les tontons également, parce que vous êtes dans la partie. Ceux qui mendient, qui mentent, tous ceux qui font les trucs la nuit, je dis que tout le monde est le bienvenu. Tu fumes de l'herbe, tu bois, tu es alcoolique, papa l'amour, toxicomano, héroïnomano, venez. Je vais tout déposer pour vous. Cette prédication est pour les grands et les gens forts. Ma prédication aujourd'hui s'adresse aux personnes qui sont tombées par amour. Je m'adresse aux personnes qui sont dans les centres psychiatriques. Les gens sous-comprimés. Les gens qui souffrent. Les gens seuls. Les gens abandonnés. Ceux que la société traite de faibles. Vous avez menti. Il faut rendre à César, César. Et quand je dis César, c'est A-R-T-S. Alors, excusez-moi si je transpire, mais je suis en onction. Là, j'ai plus le temps. Je dis, elle reste. Vous bégayez dans vos vidéos, moi je fais du one shot, on va voir qui est qui aujourd'hui. Tout ça c'est pour ma team, mais René c'est pour vous. Alors, quelqu'un a dit dans mes commentaires que je devais prendre mes comprimés quand je faisais mon live TikTok il y a 2 jours. Cette personne a peut-être raison. Je devrais prendre mes comprimés. Mais t'as pas vu la vidéo que j'ai postée là? T'as écouté la vidéo que j'ai postée là? Je suis cliniquement déclarée morte. Je n'ai plus de cœur. Mais mon âme va parler. Et il n'y a qu'elle dont j'ai besoin. Je dis je vais parler matin, midi, soir, je vais crier. Si mon âme peut encore faire ça, elle va le faire. Moi, je suis cliniquement décédée. Alors, papa et maman, vous, je dis bien vous, hein. Et puis, je mets ça sur Internet. Je vous ai aimé. Je vous aime toujours et je vous aimerai jusqu'à ce que mon cœur s'arrête. Mais la partie du film, vous avez fait là. Je répète que vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas échoué à ce niveau. Mais parce que vous avez fait de moi une personne bien, une personne de qualité. Si j'utilise mes talents, je vais exceller dans la vie. Je vous pardonne. Parce que vous m'avez donné la vie. C'est l'unique raison pour laquelle je vous épargne. Et par respect. Parce que je suis loyale, je ne peux pas faillir. Vous, les personnes que j'ai aimées, vous m'avez tourné le dos. Je vous ai dit texto noir sur blanc que je vous ai aimé. Vous m'avez tourné le dos, vous m'avez dit va. Nous, on préfère un peu quand c'est mieux. Là. L'homme qui se noie, on ne sait pas trop. Je vous pardonne. Parce que mon cœur ne peut pas mentir. Je vous aime et vous serez épargnés aussi. Je ne vous en veux pas, mais sachez que c'est noté. La nouvelle personne que je vais devenir, vous ne la méritez pas. Je vais vous épargner, hein, mais vous ne la méritez pas. Laissez-moi essuyer un peu ma transpiration, c'est l'onction. Je dis, je suis en pétard, en feu. T'es un ouf, toi. T'es un ouf. Alors oui, XW qui m'a dit de prendre mes comprimés, je ne peux pas être artiste. Ça ne se guérit pas. Je suis malade. Ils m'ont tué! Il ne me reste que mon âme. Et mon âme, elle ne fait que parler. C'est mon don qui est là. Je parle. Je parle. Je parle. Toi, mon frère, ma soeur, ton don, utilise-le. Si c'est le piano, fais le piano! La journée, le soir, oh, tu pianotes. Tu dors, tu pianotes. Pianotez, fais ce que vous avez à faire. Moi, je n'ai que ma voix. Je mets même le micro pour vous faire plaisir. Je n'en ai pas besoin. Ma voix porte. Je vais crier dans le micro pour vous donner l'onction. Je ne peux pas guérir. Là, maintenant, je suis officiellement malade. Je suis officiellement complètement tarée. Ma maladie, c'est l'art. Ma maladie, c'est parler. Ma maladie, c'est la comédie. Ma maladie, c'est rendre à ceux qui m'ont aimé. Même quand je vous ai tourné le dos, j'arrive sur vous. Je parle à mes René. Aux gens qui ont regardé mes vidéos, même quand j'étais pas là. Je parle aux gens qui m'ont écrit. Je parle aux gens qui m'ont aimé, qui ne m'ont rien demandé. Quand j'ai dit « aide-moi », ils l'ont fait. Je parle aux gens qui m'ont vu souffrir, boire, oui, qui m'ont tenu la main quand même. Je parle aux gens qui, malgré
m'ont dit « Fifi, je t'aime. Pour vous, je vais me battre. Si vraiment vous m'avez aimé comme je le pense là, si vraiment ce que je réalise aujourd'hui, c'est ça, tous les jours, je serai là pour vous. Avant mon sport, après, je suis là. Parce que vous, vous m'avez aimé. Alors, pour ne pas m'égarer dans mon texte personnel, je dépose l'onction. Primo, un soldat est un homme fort. Vous avez tendance à rejeter les gens, vous les épuisez là. Vous leur prenez tout. Je parle aux gens qui boivent. Je parle, bon moi j'ai bu un peu, mais je veux dire que je sais à quoi ça ressemble l'enfer. Que Dieu me foudroie si j'ai menti. Je sais c'est quoi la solitude. Marcher dans le noir, tu sais même pas qui va te dire quoi, je connais. Vous, vous avez mon respect. Je m'adresse aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs qui pètent les plombs. Parce qu'une erreur et tu perds tout. Je m'adresse aux mères de famille qui tiennent le coup, qui font plus que ce qu'on ne sait, qui sont les vraies reines. Je parle aux pères qui se tuent à la tâche parce qu'ils ont dit qu'ils étaient des hommes et qu'ils assument leurs responsabilités. Même si vous faites n'importe quoi, vous ramenez le pain. Nous, c'est le pain qu'on veut. On veut les chéris coco qui assurent. Vous tenez le coup. On ne juge pas le fait que vous soyez des hommes. Merci d'être là et merci de faire votre boulot de père, de frère, d'amant, de tout ce quoi, mais d'être un homme. Tout comme la femme aussi a ses devoirs. On y travaille. J'essaie de travailler aussi sur ma partie, mais on y vient. Merci. Je m'adresse aux gens qui travaillent dans les hôpitaux. Je m'adresse aux gens qui travaillent la nuit. Je m'adresse aux gens qui font ce qu'ils ont à faire pour survivre. Et que ça a tué. Je vous parle à vous parce qu'il le faut. Je dépose l'onction parce que vous le méritez. Alors nous sommes dans un creux, mais on va rebondir. Dis, elle refait. Aïe. J'ai l'onction même, je peux même plus dormir. Je dis, je suis malade, je peux plus guérir. Ils m'ont tué. Ils m'ont tué, mais mon art demeure. Je vais déposer ça tous les jours sur Internet. Je vais parler pendant 5 heures, 6 heures, je vais parler. Pour vous. Vous m'avez aimé, je serai là. Alors j'en viens à ma prédication. Les gens à terre, les gens dépressifs, les gens qui n'en peuvent plus, les gens qui se cachent pour pleurer, pour mourir même parfois. Vous êtes forts. Et j'ai parlé tout ça dans mon live Instagram, mais je répète parce que la prédication était trop balèze. Et j'ai eu onction aujourd'hui, je mets dessus. Je prêche. Je transpire même, je donne tout. Je vais tout vous donner, vous méritez. Eux, ils n'ont rien fait pour moi. Je les ai aimés matin, midi, soir. J'ai tout fait. Ils m'ont dit, dégage. Ah. Donc, à vous, ces gens, je peux vous dire que vous avez payé le prix de l'amour, le vrai. Et je vais répéter cette onction. Tu es dépressif, alcoolique, au bout du rouleau. Tu prends ce que tu peux pour te soulager, tu pètes les plombs, tu parles seul, tu souffres dans le noir. Même si tout le monde pense que tu... Ce que je sais, c'est que tu souffres. Que des fois, tu as envie de juste quitter l'histoire, genre on quitte les lieux, tu ne l'as pas fait. Parce que tu as aimé. Tu as aimé l'autre plus que toi. Tu as donné ce que tu avais, mais en petite quantité. Tu as donné le reste, donc le grain là, tu as donné par amour. Tu t'es tué au travail même quand tu ne pouvais plus. Tu l'as fait par amour, pour ne pas te décourager des gens. Je te parle à toi qui a pété les plombs complètement. Hein? Peut-être que tu es dans un centre actuellement, donc tu n'es plus le même. Tu es aimé. C'est parce que tu es aimé. Même si tu es donc l'héroïne. J'ai vu des gens à Lille, dans le métro, même à Paris, ils prennent du crack. Ils sont assis, même porte de Saint-Gilles. Les gens s'asseyent, ils fument le crack. Ces gens-là ont aimé. Ces gens-là ont aimé. Ils ont aimé. Ils ont aimé quand ils n'avaient rien. Quand ils avaient justement même, ils ont tout donné. Je dédicace les stars dedans. Je dédicace toutes les personnes publiques. Je dédicace tout le monde. Je dédicace même les gens de l'ombre parce qu'eux aussi, ils souffrent. Tous ceux qui sont dans l'ombre souffrent. Vous avez négligé ces gens. La chute n'est pas pour les faibles. Hein. Restriction sur ce point. La chute, c'est pour les forts. Et je le répète. On nage pas à côté d'un homme qui se noie, mais t'inquiète pas que l'homme qui se noie, c'est un homme fort. Parce que pour se noyer, il faut s'être débattu dans l'eau. Et ces gens-là se battent chaque jour. Même quand ils ne peuvent plus, ils prennent le métro, le train, ils font ce qu'ils ont à faire. Je m'adresse à toutes ces personnes qui se battent. Et malgré tout, qui se sentent pas suffisants. Parce que personne ne connaît ton combat. Tu es un homme qui se noie, tu es fort. Moi, je te le dis aujourd'hui. Tu es fort parce que tu te noies. Tu es fort parce que tu es aimé. Tu es fort parce qu'au lieu de mettre les choses à ton nom, tu l'as donné par amour. Si c'est le silence, si c'est faire,
si c'est se taire, si c'est essayer, si c'est donner plus qu'il ne faut, si c'est ne pas être toi-même, tu l'as fait par amour. Et ces gens-là, vous leur dites qu'ils manquent d'estime d'eux, qu'ils ne se connaissent pas, c'est un mensonge. Ces gens-là connaissent le prix à payer quand on aime. Et aimer, c'est une action. C'est pas vous. Évolue, avance, après on verra. Aimer, c'est tous les jours. Aimer, c'est aller voir son fils en centre psy. Parce que tu sais que c'est à cause des traumas qu'il a engendrés qu'il en est là. Aimer, c'est ça. Aimer, c'est se battre pour ses enfants, même quand c'est la rue. Aimer, c'est faire ce qu'il y a à faire, même quand c'est la rue. Aimer, c'est être un père. Présent, même de loin. Mais montrer qu'on n'est pas bête et stupide. Assumer. Aimer, c'est faire ce qu'il y a à faire. Et je ne donne l'exemple de personne, je parle juste parce que mon âme parle. Aimer, c'est rester, même quand la personne ne représente pas ce qu'elle est censée être. Aimer, c'est dire je vais t'aider, même si ça me coûte. Vous ne connaissez pas le prix de l'amour. Et ces gens-là l'ont payé. Alors à toi, mon soldat, tu es quelqu'un de grand. Ils t'ont menti s'ils t'ont dit autre chose. Même si tu regardes cette vidéo complètement éméchée, tout nu, bourré, piqué, tu brilles. Et j'espère que je suis claire sur ce point, car c'est mon âme qui parle. Donc vraiment, considérez-moi comme absente. Ils m'ont tuée. Je n'ai que mon âme. Ce n'est pas moi qui suis là, c'est mon âme. Et c'est elle qui va faire le boulot à partir d'aujourd'hui. Donc toi, tu as payé le prix de l'amour. Ces gens-là qui te laissent, qui partent, qui font mieux. Hey, tu vois, commence à fermer un peu les yeux là, on ne devient pas aveugle. Ces gens-là ne connaissent pas c'est quoi aimer. Et le don suprême sur cette terre, c'est l'amour. Si tu as su les aimer comme ça, même dans ton mal, sache que des gens l'auront vu. Parce que les alcooliques que je vois dans la rue me disent « Bonjour, madame !» Ils ont encore ce courage-là. Et ces gens-là, vous les regardez de haut, vous pensez que vous êtes arrivés, parce qu'aucun homme n'est infaillible. Je sais c'est quoi la faiblesse, c'est pour ça que je suis une femme forte. Je sais c'est quoi aimer, je sais c'est quoi être tout donné, être sensible, je connais. Être vulnérable, tu connais, toi. Les gens qui sont comme ça sont vulnérables. Ils ont accepté de dire « Stop, je ne peux plus !» Et quand vous les voyez souffrir, c'est un appel à l'aide. Ne leur manquez plus jamais de respect. À tous ceux qui struggle, qui n'arrivent pas à faire tout ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire, ces gens-là se battent. Que les vrais soldats se reconnaissent. Et je ne m'adresse pas que aux gens qui sont au bout du rouleau. Je parle de ceux qui sont toujours sur le point d'eux. Alors peut-être que je m'adresse actuellement à l'humanité, je ne sais pas. Il y a une partie à qui je ne m'adresse pas, parce qu'il y a une partie de fils d'épée dans ce monde. Vous, vous allez voir avec Narchetan. Nous, personnellement, je l'ai dit, on a un cœur blanc. Mais sur la terre des hommes, le parfum, c'est le cœur noir. On va vous montrer qu'on est tombé, mais qu'on peut revenir parce qu'on a aimé. Alors, ces gens que vous jugez, ils font ce qu'ils ont à faire, malgré, ils font ce qu'ils peuvent sur le côté. Sachez qu'ils ne manquent pas d'estime d'eux. C'est parce qu'ils vous ont tout donné que vous pouvez le penser. Mais il leur restait une miette. Et cette miette, c'est l'amour de soi. L'alcoolique, le toxicomane, celui qui se pique, celui qui a des addictions au jeu, je ne sais pas quoi. Toutes ces personnes qui sont souffrantes s'aiment encore pour trouver leur prochaine dose. Ça aussi, c'est l'amour. Le gars que j'ai vu là, je vous l'ai dit dans mon live, quand je suis allée à Lille, il est monté dans le métro à Gambetta. Il fumait son crack. Il pourrait abandonner. Mais il se maintient en vie parce qu'on ne sait jamais. Et cette lumière dont on ne sait jamais, c'est l'amour. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Alors, je m'adresse aux soldats. En ce jour, prends ton courage. Ne cède pas parce que tu as payé le prix de l'amour. Et le jour où tu vas retrouver la force que tu as, tu n'es pas faible. Tu es fatigué. Tu es épuisé d'avoir tout donné. Tu es épuisé qu'on ne t'ait pas regardé, qu'on ne t'ait pas soutenu. Mais même toi, au bout, tu brilles. Et des gens le verront. Les gens le verront parce que tant que tu te bats, les gens qui sont dans la rue continuent d'être là dans la rue parce qu'ils se battent. Ils ont l'espoir. Et c'est ça que je te demande de ramasser aujourd'hui pour progresser, papa l'amour, maman l'amour. Prends l'espoir parce que tu le mérites.
Prends-le. Fais ce que tu as à faire. Et quand ton cœur se sera bien brisé, tu sauras pourquoi tu es sur la terre. Si je loupe ma mission, tu es moi. Je vais prêcher matin, midi, soir. Drill 1! Je dis, je drille pour les soldats du monde. Je drille pour tous ceux qui ont été oubliés, les disparus, les manquants, ceux qui reviennent de la guerre avec un pied. Et on leur a dit de courir vite. Je m'adresse à ces personnes-là. Vous êtes des héros. Ils ne sont pas encore au courant. Un jour, ils vont être au courant. Mais quand vous allez vous relever de tout ça, prenez votre temps. C'est ça même la pouf. L'onction, prenez votre temps. Parce que vous n'avez rien à expliquer. Le toxicomane que je vois dans la rue n'a rien à m'expliquer. Il a aimé trop. Ça l'a dépassé et il s'est retrouvé là. Qu'est-ce que je vais lui dire, moi? À part courage, tu le mérites. Rappelle-toi que tu le mérites, papa l'amour. Je peux lui dire quoi? À part lui donner de l'amour. C'est tout ce qu'il y a à faire. Alors ces gens-là, si vous ne pouvez pas les aimer comme précédemment décrit, vous la fermez. Vous la bouclez. Vous vous mettez de côté. Je remercie ces gens qui m'ont aimé quand je les ai rejetés. Ces gens qui m'ont dit je t'aime même quand je ne les regardais pas. Ces gens qui m'ont vu même quand je m'oubliais, ils m'ont vu. L'héroïnomane n'a pas besoin qu'on lui rappelle qu'il se pique. Il le sait. Il se pique pour rester en vie. Parce que se foutre en l'air, c'est facile. Rester en vie, il n'y a pas plus difficile et la vie est très dure. Alors on respecte les gens ou on ferme son cul. Merci à ces gens. Et je l'ai dit en début de vidéo, je ne vous oublierai pas. Même ceux qui m'ont tourné le dos, si je vous ai dit que je vous ai aimé, je l'ai pensé. Et pour tout le reste, vous êtes morts. Et la mort, c'est la vie. Ah oui, je vais vous expliquer l'histoire. Je suis morte, la fille d'avant n'existe plus. Ils m'ont tuée. La nouvelle est meilleure, plus chic, plus ferme. Elle est mieux. L'ancienne version est morte. Et l'ancienne version comporte souvent toutes les choses où peut-être aujourd'hui vous vous dites « Mais ça ne me ressemble pas, je n'en peux plus. » Tout ça, ça fait partie du processus, chérie. Tu es conscient que tu es héroïnomane. Je prends l'exemple de l'héroïne. Bon, c'est peut-être un peu trash, mais bon. Tu es conscient que tu as une addiction. Parce que tout le monde, bon, les nouveaux qui passent, ils vont penser que je suis une folle. Tu as une addiction, un problème. Tu en es conscient. Regarde le problème en face. Fais pas comme ces lâches qui partent et qui te disent « Deviens, je t'aime de loin. » Reste pour toi. Regarde-toi. Dis oui, j'ai cette addiction. Mais je vais la vaincre. Oui, j'ai des problèmes de colère, mais je vais les vaincre. Moi, aujourd'hui, je suis en paix. Hein. Je peux vous faire la guerre, la vie de ma mère. Ça va. Parce que vous m'avez tué. La fille d'avant vous aimait beaucoup. Celle d'aujourd'hui se rappelle la petite fille que j'étais. Et il n'y a rien qui compte de plus donc dans sa vie que elle. La personne que vous êtes, c'est le bijou, c'est le trophée. Je l'ai dit, on augmente le prix maintenant, hein. On augmente le prix. Quand on a quitté la toxicomanie, l'alcoolisme, les jeux, je sais pas n'importe quoi que vous pourriez faire, même c'est les quoi, sortir beaucoup, dépenser son argent. Tout ça, là, on l'a fait par amour. Parce qu'on était au bout. Quand on va revenir, vous êtes fous. Ils sont fous. Je dis, regarde-toi. Dis-toi que tu vas vaincre. S'il te faut 6 ans pour vaincre ta maladie, chérie, prends-les. C'est pas ces gens-là qui vont t'aider. Hein. Mais quand tu vas or, quand tu vas revenir, ils vont avoir peur. Mais c'est pas parce que tu veux leur faire peur que tu reviens. Tu vas revenir et ils vont avoir peur parce qu'ils vont se rendre compte de l'erreur qu'ils ont faite de te sous-estimer. Moi, je ne sous-estime personne. Toutes les personnes dans ma vie pourront le témoigner. Personne! J'aime avec le cœur dans les yeux. J'ai serré dans mes bras des tantines qui habitent dans des villages cachés parce qu'elles m'ont donné leur amour. Je n'avais pas vu ça sur la terre des hommes. Je n'ai pas vu ça dans les yeux des gens qui prétendent tout avoir. Parce qu'avant d'avoir, il faut être. Et les gens qui tombent sont avant d'avoir. Et ils vous ont tout donné, c'est pour ça qu'ils en sont là. Ne leur parlez plus jamais mal. Hein. Je déclare cette lettre d'amour à tous les soldats. Vous ferez ce que vous voulez. Faites tourner ça. Parce que c'est l'onction. Alors je disais, regarde-toi bien. Et rappelle-toi que quand tu vas quitter dans ça, tu seras le plus grand. Tu es déjà grand. La seule différence, c'est que quand tu sortiras de là, ils le verront. Mais le regard qu'ils portent sur toi ne doit pas t'intéresser. Tu dois te rappeler que tu as besoin d'aide. Papa l'amour, maman l'amour, prends l'aide qu'il faut, le temps. Rappelle-toi la personne, vraiment, quand tu penses à ça, tu te dis, c'est moi. Tu as le droit de te le dire. Si tu es alcoolique, ce n'est pas toi. C'est la souffrance et le fait que tu as aimé. Et
tu ne dois jamais t'en vouloir pour ça. Si tu es tombé par amour, sois fier. Et les gens, ils tombent pour pire. Ils avaient de l'amertume, de la haine, vraiment la jalousie dans leur cœur. Mais les gens qui se rappellent de ça, qui se relèvent, ce sont des gens qui se rendent compte que putain, je l'ai fait par amour. J'ai aimé ce mec, je suis partie en vrille. J'ai aimé ce mec, je suis partie en vrille. Je sais pas, je l'ai aimé, je voulais le meilleur pour lui. Et comme je sais c'est quoi aimer, c'est pas je suis restée. Les mamans qui restent, bon, on vous a beaucoup jugé parce que vous restez avec des gars bizarres et tout. Je sais. Tu l'aimes, c'est le père de tes enfants. Et les choses que vous avez vécues, nous, on connaît rien. Vous avez vécu des choses ensemble. Et parce que tu es loyal, tu n'es pas partie. Papa l'amour, tu es resté avec cette femme qui t'a fait souffrir parce que tu es un homme. Parce que tu as dit que tu allais faire, donc tu finis. C'est tout ça. Ce sont les parents fièrement qui regardent autour d'eux et qui disent « Je vais soutenir mes enfants. » Oui, même si c'est difficile. Ce sont les enfants qui n'abandonnent pas leurs parents quand ils commencent à être, comment on appelle ça, séniles, malades. Je m'adresse à ces gens qui ont fait des efforts par amour. Et ça les a dépassés. Mais si tu sais que c'est par amour que tu l'as fait, hein, regarde de la remontada que ça peut te donner. Tu l'auras. Tu l'auras parce que c'est comme ça qu'un soldat se relève. Ils sont médaillés, on leur donne les beaucoup, beaucoup de trucs, bravo les meilleurs. Ils ont souffert. Mais le statut avec lequel on les honore, c'est parce qu'ils méritent d'être honorés. Un soldat, c'est un grade. Et il faut qu'il se rappelle du grade. Alors prends ton courage à deux mains, prends le temps qu'il te faut. Ne te justifie plus. J'ai aimé, donc j'ai sombré. Mais parce que je sais c'est quoi aimer, je vais me relever. C'est comme une équation, c'est comme une chanson. La personne que vous étiez n'existe plus. C'est fini aujourd'hui. Et si tu es dans la souffrance, sache que cette vidéo veut dire que le soleil se lève. Tu seras différent. Et ils te diront que tu as changé. Tu seras différent. C'est sûr. Ils vont te le dire. Oh, t'as changé tout. Oui, j'ai changé. Et je finirai sur cette référence pour tous mes chéris cocos qui me regardent. Si vous n'avez pas la rêve, c'est à votre niveau. Drill ! Lorsqu'on fait quelque chose, il s'agit d'y rester et d'en sortir. Lorsqu'on fait quelque chose, il s'agit d'en sortir et d'y rester. C'est mon chéri au Maroc qui un jour me l'a dit. Voilà, je finirai sur cette note. Vous avez été bon, sympa, gentil. Maintenant, on passe à autre chose. Mais ceux qui ne sont pas passés à autre chose comprendront que cette personne a fait ce qu'elle devait faire dans son temps. Elle est tombée par amour, elle est revenue. Toi, tu ne fais plus partie de l'avenir. Vous captez ? Il faut être esprit pour comprendre la ref. C'est un one shot, comme vous pourrez le constater. Tous les jours, je vais prêcher. Pour les soldats, pour les gens forts, pour l'élite, pour mes René, pour les gens qui m'ont aimé. Votre queen is back. Je vous aime. Et à plus que très vite même. Mouah! Le son de l'un, celui qui est prêt à la cabine. Tchouba!